L'attitude avec laquelle nous abordons l'entraînement à la pleine conscience détermine grandement la valeur qu'elle a pour nous dans la durée. C'est pourquoi il peut être très utile pour retirer un maximum de ce processus de méditation de cultiver certaines attitudes. Elles vous rappellent d'instant en instant la raison principale de votre pratique. Garder certaines attitudes à l'esprit fait partie de l'entraînement lui-même. C'est une façon de diriger et de canaliser vos énergies pour qu'elles puissent être davantage utilisées dans le travail de croissance et de guérison. Cette attitude constitue les piliers majeurs de la pratique de la pleine conscience que nous enseignons à la clinique du stress. Le non-jugement, la patience, l'esprit du débutant, la confiance, le non-effort, l'acceptation et le lâcher-prise. Ces attitudes doivent être cultivées consciemment pendant que vous pratiquez. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Chacune prend appui sur les autres et influence le degré auquel vous pouvez les cultiver. Travailler l'une d'elles vous conduit rapidement aux autres. Elles constituent ensemble le fondement sur lequel vous pouvez construire une pratique de méditation solide. Vous pourrez vous habituer à ces attitudes dès le début de votre pratique. Quand vous serez engagé dans la pratique même, ce chapitre méritera d'être relu. Il vous rappellera les manières de continuer à fertiliser le terreau d'attitude pour qu'y fleurisse votre pratique de la pleine conscience. Première attitude, le non-jugement. La mindfulness se cultive en adoptant la position du témoin impartial de votre expérience. Ceci demande que vous deveniez conscient du flot constant de jugements et de réactions aux expériences intérieures et extérieures dans lesquelles vous êtes habituellement pris et d'apprendre à vous en dégager. Quand nous nous mettons à faire attention à l'activité de notre esprit, il est courant de découvrir et d'être surpris par le fait que nous générons en permanence des jugements sur notre expérience. À peu près tout ce que nous voyons est étiqueté et catégorisé par le mental. Nous réagissons à tout ce que nous faisons selon la valeur que nous lui attribuons. Certaines choses, personnes, situations et circonstances sont jugées bonnes parce qu'elles nous font nous sentir bien pour l'une ou l'autre raison. D'autres sont tout aussi vite considérées comme mauvaises parce qu'elles nous font nous sentir mal. Le reste entre dans la catégorie neutre car nous pensons que cela n'a pas beaucoup d'importance. Les choses, les personnes et les circonstances neutres sont presque tout à fait reléguées hors de portée de notre conscience. Leur prêter attention nous paraît habituellement très ennuyeux. L'habitude de catégoriser et de juger notre expérience nous enferme dans des réactions mécaniques dont nous ne nous sommes même pas conscients et qui repose sur aucune base objective. Ces jugements tendent à dominer notre esprit, nous mettant en difficulté de ne jamais trouver la paix en nous-mêmes. C'est comme si l'esprit était un yo-yo, montant et descendant toute la journée sur le fil de nos propres pensées-jugements. Si vous doutez de cette description de votre mental, observez simplement à quel point vous êtes préoccupé par des « j'aime »,« j'aime pas »,
Disons pendant une dizaine de minutes, par exemple, sur le chemin d'accès à votre travail. Si nous voulons trouver une façon plus efficace de gérer le stress dans notre vie, nous devons commencer par être conscients de ces jugements automatiques. Nous voyons ainsi au-delà de nos préjugés et de nos peurs, et nous nous libérons de leur tyrannie. En pratiquant la pleine conscience, il est important de reconnaître ce caractère jugeant du mental quand il se manifeste et d'adopter intentionnellement l'attitude d'un témoin impartial en veillant simplement à observer. Quand vous trouvez votre esprit en train de juger, vous n'avez pas à l'arrêter de juger. Tout ce qui est demandé est d'être conscient de ce qui se passe. Pas besoin de juger ce processus de jugement et de vous rendre les choses plus compliquées encore. Disons, par exemple, que vous êtes en train d'observer votre respiration. À un moment donné, votre esprit dira peut-être quelque chose comme « c'est embêtant » ou « ça ne marche pas » ou « je n'y arrive pas ». Ce sont des jugements. Quand ils surgissent dans votre esprit, il est très important de les reconnaître comme des pensées-jugements et de vous souvenir que la pratique implique de suspendre les jugements et de simplement observer ce qui émerge, quoi que ce soit, y compris vos propres pensées-jugements, sans les rechercher, ni agir à partir d'elles en aucune façon. Puis, de revenir à l'observation de votre respiration.